N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Auteur de l'ouverture du score de l'Uruguay contre le Chili dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, 2-1, Luis Suarez a été un des grands artisans du succès des siens. Luis Suarez a fait trembler les filets sur pénalty sous le maillot de l'Uruguay ce jeudi soir face au Chili en qualification pour la Coupe du Monde 2022, tout comme son ancien coéquipier en club, Lionel Messi, avec l'Argentine contre l'Équateur. On pourrait croire qu'il y a toujours une certaine connexion entre ces deux joueurs qui s'entendaient parfaitement bien au FC Barcelone. Mais voilà, le Barça était en crise cet été et Suarez est allé rejoindre l'Atlético Madrid. Un transfert forcé qui a fortement ému Messi. En marge de cette victoire, le néo-madrilène a de nouveau évoqué son départ du FC Barcelone, non sans vider son sac. Après 6 ans de bons et loyaux services, l'attaquant uruguayen a été poussé vers la sortie cet été. Un départ que le concerné regrette et qu'il a visiblement encore du mal à digérer. L'ancien de Liverpool a notamment évoqué le soutien de son désormais ex-coéquipier Lionel Messi. « Je n'ai pas été surpris que Messi m'ait soutenu publiquement car je le connais trop bien. Je connaissais déjà la douleur qu'il ressentait, comment il le disait et comment je le disais », a réagi le buteur de 33 ans. D'ailleurs, Suarez n'a pas beaucoup apprécié la forme et sa mise à l'écart par le nouvel entraîneur Ronald Koeman. « Nous sommes des adultes, j'étais à Barcelone depuis 6 ans et il y avait d'autres façons de me parler, de me dire que le club prévoyait de changer d'air. Mais la manière n'était pas bonne et cela dérangeait aussi Léo. Il sait comment nous avons souffert et à quel point c'était mauvais à ce moment-là, a rajouté le nouveau numéro 9 de l'Atlético. Je n'ai pas très bien pris les messages du club selon lesquels il cherchait une solution pour changer d'air. Pour la forme plus que tout, il faut savoir accepter quand on termine un cycle. Il y a des choses qui n'étaient pas connues. Mais allez vous entraîner et soyez mis à l'écart car vous ne faites pas partie du match 11 contre 11. Luis Suarez et Lionel Messi se retrouveront sur le terrain lors de la 10e journée de la Liga fin novembre pour le duel Atlético Madrid-FC Barcelone, sauf que cette fois-ci, ils ne seront pas coéquipiers mais adversaires. Avec l'Atlético Madrid, Suarez peut-il avoir autant de réussite qu'au Barça? Donnez-nous vos avis en commentaire.